Yo, salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur l'aménagement de la camionnette. Avec ici j'avais filmé donc pour quand on avait fait l'isolation avec le liège et tout ça, mais c'était vraiment trop galère. J'ai dû prendre l'option du liège projeté, de ici coller le liège avec la colle néoprène, c'était vraiment une galère. Et voilà, ici on peut voir que on a mis de la laine de mouton, parce que j'utilise comme isolant de la laine de mouton. C'est écologique et voilà, c'était pas non plus trop cher. Ici j'en ai peut-être eu pour 200 euros d'isolation. Donc on en a bourré partout, dans les portes et tout ça. Et on a bien avancé. On a fait. Oh, on a déjà mis les tasseaux pour après mettre les lambris et tout ça. Donc ici les tasseaux qui sont mis. Je fais tenir les tasseaux avec des vis à bois dans la ferraille. Hop, là aussi de l'autre côté on a fait ça. Et ici c'est dégueulasse avec le liège comme ça qu'il a mis. Ici j'ai déjà fait le petit encadrement pour le garde-boue avec la laine de mouton, j'ai mis de la corde pour faire tenir. Et alors ici je m'attaque maintenant à faire mettre tous les bois le long de la carrosserie pour après pouvoir mettre des lambris. Là j'ai fait tout l'encadrement pour la fenêtre avec un appui de fenêtre qui va venir ici. Comme ça, donc voilà. Ce que je conseille, c'est de prendre des vis à bois pour la ferraille. Moi, je prends ce genre de vis là avec deux visseuses, une qui fourre pour préforer et une avec l'embout pour visser pour éviter d'éclater le bois. Et au moins, quand tu vis, ça éclate pas tout au bois, t'as pas un truc dégueulasse. On va continuer et je vais mettre deux GoPro et on va faire un petit timelapse de quand je mets tous les bois sur les côtés et tout ça.